jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, on va rentrer dans les coulisses du plan de relance, France Relance, qui va être présenté à 13h par le Premier ministre, parce que Philippe Martin, président du Conseil d'analyse économique, vous êtes l'un des pères du plan de relance. Vous avez contribué en tout cas à alimenter la réflexion du gouvernement. Je sais que vous allez, par modestie, dire non, non. Enfin, vous aviez quand même fait avec Pisani-Ferry cette note dans le cadre du Conseil, où une grande partie de vos propositions ont été reprises. Vous êtes content ? Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de propositions qui ont été reprises. Et puis, sur le quantum, c'est à peu près ce qu'on disait qui était nécessaire. C'est-à-dire, en gros, les 100 milliards, ça revient à peu près à 2 pourcentages de points de PIB par an. Et c'est en effet à peu près ce qui nous semble nécessaire pour que la relance se passe bien, avec les différentes étapes, c'est-à-dire à la fois ce qui s'est passé. Évidemment, il faut insister sur le fait que ce plan de relance vient en fait après des mesures déjà de relance, hein, oui, avec le chômage partiel, bien sûr, sectoriel, c'est pas les prêts garantis. Les prêts garantis, absolument. Et donc, ce plan de relance, maintenant, c'est à la fois assurer que la reprise se passe bien sur les 6 mois prochains, et puis aussi transformer l'avenir, transformer la transformation de l'économie. C'est pour ça que c'est un plan de relance par l'offre et l'investissement. Hein. Il y a les deux. Alors, c'est vrai que par rapport à des plans de relance précédents, il y a beaucoup plus l'accent sur l'offre et sur deux aspects un peu structurels, c'est-à-dire à la fois la compétitivité, la relocalisation. Donc ça, c'est les impôts de production. Suffisant, d'ailleurs, les impôts, oui, de production, les 10 millions. Ah oui, je pense que c'est même beaucoup. Hein. Je pense que c'est vraiment un effort substantiel sur les impôts de production. Au Conseil d'analyse économique, on avait en effet dit à quel point ces impôts de production étaient un problème. Alors par ailleurs, nous, on disait qu'on était plutôt favorable à une baisse de ce qu'on appelle la C3S plutôt que la CVAE. Alors c'est un peu technique, mais ouais, c'est vrai qu'on ne serait pas allé sur naturellement sur la CVAE. Mais pourquoi ? Parce qu'on dit que la CVAE, on n'arrête pas de dire bravo, parce que c'est plus les PME et les ETI concernés, et c'est plus les industriels que ne l'aurait été avec la C3S. C'est vrai, mais la C3S, c'est vraiment un impôt très stupide, parce que c'est vraiment l'impôt de production par excellence, parce que ça taxe le chiffre d'affaires, et donc c'est vraiment une augmentation de tous les coûts pour les entreprises. Ça rogne les marges de manière... Absolument. Et ça a vraiment un impact sur la compétitivité. On ne ciblait pas forcément les entreprises qu'on voulait, notamment en termes de relocalisation industrielle. CVAE, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Alors tout à l'heure, Emmanuel Lechypre, il nous disait bien, mais peut plus faire. Est-ce que vous diriez la même chose ? Non, encore une fois, je pense que le quantum y est. Ce qu'il faut, les 100 milliards pour vous, c'est bon. Non, moi je pense que c'est bon, mais en même temps, il faut être pragmatique. C'est-à-dire, on est dans une situation avec une telle incertitude à la fois économique et sanitaire que s'il faut y revenir, il faudra revenir. Enfin, il faudra remettre de l'argent, peut-être. Hein, si la situation sur le plan de l'emploi, sur la consommation, on parlait de la demande tout à l'heure, l'hypothèse de ce plan, c'est que la consommation va repartir parce qu'il y a de l'épargne des ménages et que la situation va s'améliorer. Quand on vous écoute, on dit ah, c'est peut-être là où Philippe Martin pense qu'il y a peut-être une petite erreur. C'est pas une erreur. Je dirais que il y a un petit risque en effet qu'on mette énormément l'accent sur l'offre et donc des choses qui vont arriver, et puis le changement environnemental, toutes des choses qui vont arriver plutôt dans 6 mois ou 1 an. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans les 6 ou 9 mois qui viennent, hein, et ça va être des mois qui sont risqués. Vous avez peur que la machine s'arrête ? Non, parce que très franchement, là, pendant l'été, la consommation s'est bien tenue, donc les choses sont plutôt favorables. Donc, encore une fois, je trouve que le scénario macroéconomique sur lequel se base ce plan de relance me paraît plausible. Mais il y a des risques, hein. On voit bien à quel point tout ça est très instable, et il peut y avoir un choc à la fois économique, un choc sanitaire, il y a plein de choses qu'on ne peut pas savoir. Bon, mais je pense, je fais confiance au gouvernement sur le fait qu'il va être pragmatique, c'est-à-dire si à un moment il y a besoin de mettre plus d'argent par exemple sur les aides aux embauches, moi j'aurais mis plus par exemple sur les aides aux embauches au-delà de 25 ans. Ah oui. Je pense que s'arrêter à 25 ans, il y a un petit risque, hein, d'effet de seuil et d'effet de substitution. Donc j'aurais mis un petit peu plus sur au-delà de
de 25 ans sur l'emploi. 30% des dépenses dans les prochains mois et tout le reste d'ici 2024. C'est comme ça que ça va être déployé. C'est très très long. C'est vrai. C'est sûr que si vous voulez faire sur l'offre et sur le changement, la transformation de l'économie, en particulier sur une économie plus verte, ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps. Et donc c'est bien ça l'arbitrage entre d'un côté avoir un plan qui relance rapidement l'activité pour éviter un effondrement de l'économie et puis en même temps avoir une transformation. Et donc il va falloir jouer sur ces deux tableaux. Par rapport aux autres pays européens, vous trouvez que le plan français est particulièrement bien dosé et calibré ? Il est assez différent de celui en Allemagne. C'est vrai qu'en Allemagne, c'est plus sur la demande avec la baisse de TVA. Et puis aussi le financement des entreprises avec beaucoup de prêts garantis, encore plus que nous. Oui, sauf que quand on regarde les chiffres, en France, les prêts garantis qui ont été effectivement accordés en France ont été plus importants en pourcentage qu'en Allemagne. Mais pas décaissés. Il y en a eu beaucoup quand même en France, énormément en France. Non, c'est très important. Mais les situations en France et en Allemagne sont très différentes. Donc ça ne me choque pas qu'on ait des plans de relance différents, étant donné les situations initiales différentes, en particulier la balance commerciale en France, qui est déficitaire alors qu'elle est excédentaire en Allemagne. Mais justement, est-ce qu'il ne faudrait pas plus se coordonner avec nos voisins ? C'est vrai. Moi, je pense qu'en effet, on a besoin de plus de coordination, pas pour faire les mêmes plans de relance, mais pour bien comprendre, en effet, les effets qu'on va avoir, les différents plans de relance sur les uns les autres. Et en particulier en Italie, en Espagne, où là, pour le moment, il n'y a pas encore d'annonce sur ce que seront les plans de relance. Merci Philippe Martin, merci. Président du Conseil d'analyse économique. À ce titre, vous avez conseillé, et dans les coulisses, dans les cuisines de ce plan de relance, France Relance. Merci de l'avoir décrypté.